Vous avez traité votre femme de pétasse, de grosse conne et de salope. Êtes-vous fier de vous? C'est pas des insultes, c'est la vérité. Mais quelle est la raison de votre présence? Ma femme, faut tellement rien que je suis obligé d'acheter à la vaisselle. Et alors? Monsieur, dans votre valise, les policiers ont retrouvé, je lis bien, un fusil à pompe, des munitions et 10 kilos de cannabis. Vous partiez où comme ça? En vacances? Non. En week-end. Non, mais vous savez très bien que vous avez été pris en flagrant délit de fornication avec votre femme dans votre voiture. Avec ma femme, envie d'amour et d'eau fraîche. Non, et de bière. Fraîche. Eh bien, je vous déclare coupable. Ah bah allez-y, foutez-moi au trou. De toute façon, je vous emmerde. Qu'est-il arrivé à votre couple? Ma femme m'a quitté sur un coup de tête. Oui, le vôtre. Oui. Monsieur, c'est très grave ce que l'on vous reproche là. Avec votre voiture, vous avez renversé un piéton et c'est écrit qu'après le choc, de nombreux témoins vous ont vu sortir en souriant. C'est vrai. Tout le monde croit que je rigole. Et je rigole pas, c'est à cause de mon entier que je suis comme ça. Silence dans la salle! Je vous déclare coupable! Alors, mademoiselle, êtes-vous toxicomane? Toxicomane? Pas du tout. Moi, je vais dans les bars. Je suis pastis woman. Monsieur, ce sont des sœurs que vous avez? Ou des demi-sœurs? C'est surtout des salopes! Monsieur, vous n'allez pas commencer par nier les faits. Vous avez bu au volant. Non, je vous jure, j'ai seulement bu la bouteille. Je vous prie. Ben, je fais de mon mieux pour parler fort. Et si tu m'entends pas, t'as qu'à t'acheter des lunettes. Et vous saviez à combien vous étiez sur l'autoroute, monsieur? Ben oui, on était trois. Alors, il y avait moi, Jean-Mimi et Didier. Mais pourquoi avez-vous tué votre mari? Entre ces accès de violence, mon mari n'arrête pas de me répéter que je suis une princesse, mais le seul palais où il a réussi à m'amener, c'est au palais de justice.